are superpowers. Who? Taken from a comic strip, and now they're Beetleborgs. Mon projet de science a l'air d'être plutôt au point. Ça, on dirait, oui. Au secours! Vite, mets-toi à l'abri! Oh, oh mon Dieu! Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'étais en train de remuer mes spaghettis quand soudain la casserole s'est mise à bouger dans tous les sens. Et ensuite le four a commencé à bouger et après, badaboum! Roland, ce tremblement de terre aurait-il quelque chose à voir avec ton projet pour la science en fait? Eh bien, j'ai peut-être laissé une petite éprouvette sur le feu et elle a explosé. C'est une de mes expériences biologiques. Laisse-moi te dire une chose, peu importe ce que c'était, ça doit pas se mélanger avec des spaghettis. Si j'étais toi, je me ferais oublier un peu, sinon tu risques d'avoir de sérieux ennuis. Promis, j'ai intérêt à faire le ménage, sinon on va tous manger notre dîner sur le mur. Attends, je vais t'aider, maman. Oh, c'est une longue histoire. Si tu veux, on peut t'aider à tout ranger. Ah, ce serait gentil. Bah, ça aussi. Waouh! Ça va, là, c'est bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mon expérience pour la science en fête de ce week-end. J'ai encore quelques trucs à mettre en point, mais si tout va bien, je devrais décrocher la première place du concours. Comment tu peux en être aussi sûr? T'es loin d'être le seul à être fier de ton projet. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je préfère garder le secret, mais fais-moi confiance, c'est plutôt réussi. D'ailleurs, il faut que je rentre. J'ai encore pas mal de trucs à terminer. Alors, c'est quoi au juste ton super projet de science? J'en ai pas. La science en fête a lieu samedi et j'ai pas la moindre idée. J'en ai peut-être une. Flabber, t'es où? Flabber. Flabber. Flabber, mais qu'est-ce que tu fabriques? Juste un peu de jardinage. Et vous aimez ce costume? Plutôt chouette, non? Flabber, tu veux bien arrêter de jouer les idiots pendant au moins 5 secondes? D'accord. Merci. On va avoir besoin de ton aide. Mon aide? Vous avez besoin d'aide? Oh, mais fallait le dire plus tôt. Tu as mal? Où? Flabber, merci, mais je suis pas malade. La mairie organise une fête pour tous les savants en herbe et tout le monde a un projet sauf moi. Et tu es la personne la plus imaginative que je connaisse. Alors je me suis dit que... Drew, tu veux un projet de science génial? Oui. Tu as frappé à la bonne porte. Mais au fait, ça parle de quoi ce projet? Oh, oh, c'est une blague. Allez, suivez-moi. Wow! Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Traitez-moi de radin. Oh, super! Un copain. Wow! Au revoir, mon grand. Allez, file! Regardez-moi tous ces objets. Hé, hey, c'est quoi ça? Oh, mais quel choix judicieux, cher maître! Cette plante peut faire n'importe quoi! T'es sérieux? Elle peut même danser sur un air de disco! Viens, ma belle!
la plante a besoin de faire quelque chose de plus normal. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à danser sur un air de disco? Rien, sauf si t'es une plante. Si elle se comporte bizarrement, le jury risque de découvrir la supercherie. T'es pas d'accord? Si, si. Je vois. Elle n'a qu'à manger des vers de terre ou des mouches. Oh, qui a parlé de mouches? Ça tombe bien. Ah non! Une petite faim, j'adore les mouches. Ah ben? Pas vous? Très bien, cette chère plante est redevenue normale, mais attention, ce végétal arrive tout droit de la 7e dimension, alors elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Comme les siennes! Oh non! Depuis ce matin. Si ça se trouve, sa plante est végétarienne. C'est pas avec ça que je vais gagner la récompense. Je voulais vraiment montrer à tous quelque chose d'inhabituel. Mais je suis même pas capable de trouver l'intérêt de cette fichue plante. Ta 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 ta. Ta ta ta. La plante parle. C'est génial. Salut ma belle. Alors tu te plais? Dimension. La science en fait un vaste programme. Venez, on va finir par se faire remarquer. Ce jeune imbécile a l'intention de faire sensation à la fête. Oh, quels sont ceux qui s'y connaissent plus que lui en science? Moi. Moi, je sais aussi. Moi. Alors, la réponse est les maniabores. Oui, réponse exacte. Notre civilisation est bien plus avancée que la sienne. C'est exact. Il faut absolument en profiter. Laisse-moi réfléchir. Hein? Et j'ai une idée géniale. Ouais. Ça m'étonne de toi. Et vous vous rappelez l'album dans lequel Vexor est encerclé par une bande de végétaux carnivores géants? C'était quoi leur nom déjà? Attends, les Vénusiens quelque chose. Ça y est, je sais. Les Vénusiens affamés. Ouais, c'est ça. Merci. On n'a qu'à les faire venir dans le monde. Roland, c'est pas moi. Tourne, Sora. Et voilà, merci. Tu en as oublié quelques-unes. Je finis le travail. Allez, là. Et ton pollen venimeux est une arme redoutable, dis donc. Oui, c'est du bon boulot, champion. Moi aussi, je déteste les végétaux. Vraiment? Oh, à part toi, bien sûr. La journée risque d'être longue. Oh, ça c'est ok. De quoi parle-t-il? Ah, mais c'est évident. Il suit la trace du pot de fleurs qu'on a vu à l'école. Les enfants ont dit qu'il l'avait fait venir de la 7e dimension. Attendez, si cette plante n'est pas de ce monde, je crois deviner le nom de celui qui est allé la chercher. Flammeur! On va faire un tour à Hill Earth, notre Vénusien fin, et Midi va bientôt se dé... Rattrape-le vite, c'est Roland! Allez, regarde où tu vas, Adieu, merci, vous êtes ici.
C'est quoi ça? C'est mon projet de science ultra secret. Eh bien, il y a une plante dehors exactement pareille qui détruit tout ce qu'elle peut trouver sur son passage. Elle obéit aux ordres des Magnavores et se dirige vers la maison hantée. Il faut qu'on la renvoie tout de suite dans son album. On y va. Oui, beaucoup de plantes sur cette planète. Qu'est-ce qu'il fait? N'approchez pas, il est de mauvaise humeur. C'est pas la petite plante. Oh, oh. C'est imbécile, a l'intention de mettre le feu à tous les buissons de la ville. Tu as vu son haleine? Il a dû manger du piment. Je vais retrouver la petite plante. Il n'y a pas de temps à perdre. T'es en sécurité ici, ma petite plante. D'accord. C'est parti. Mais c'est ignoble! Oh, il pourrait renouveler l'air de temps en temps! Ouais, allez, 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 ouais, continue! Non! Qui va me le payer? Oh, attention! Oh, quelle odeur épouvantable! Il faut absolument sortir d'ici! Ah, il a un problème de transit! Bravo, plus qu'un courage! Ça s'annonce plutôt mal. Les Magnavores peuvent pavoiser. Ouais, bien fait. Ça t'apprendra à nous ridiculiser. Ne vous inquiétez pas. Tenez bon, j'appelle Gargantis. Règle-lui son compte. Dans la bande dessinée. Aucune importance, on a la petite plante. Ouais. Oh, oh non, non, non. Aaron, c'est décidé, je prends quelques jours de vacances. Si tu me cherches, je suis à Hawaï. Où est ma plante? Non, mais pour qui tu te prends? Cette plante est à moi, alors tu me la donnes. Lâche-la immédiatement. Lâche-la. Sinon, je vais me fâcher. Donne-la-moi. Bon, allez, on l'a assez joué. Tu me la donnes. Donne-la-moi. C'est moi qui... Vous tu vas comme ça, hein? Vous n'êtes qu'une sale bande de voleurs. À moi, cette plante. Hé, hey, Wolfgang! Attrape! Tu es prêt, Joe? Oui, vas-y! Et voilà, décidément, les basketteuses, c'est les meilleures. Oh. Pardon? Décidément, je préfère la viande aux plantes. Tu veux vraiment que je t'arrange le portrait? Joli lancé. Bien joué, Roland. Je te l'ai dit, je suis magicien. Tiens. Regardez, un Bigfoot. Où ça? Ah, moi je vois rien du tout. Où est passé Fogula? Il est là-bas. Nous avons un compte à régler tous les deux. Oh, déjà bien eu. Avec l'aide de ta célèbre super force, on a une chance de la sauver. Finalement, on préfère rentrer chez nous. À la prochaine. Switch.
Flabber, qu'est-ce que tu faisais? Je jardinais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon? Oh, rien d'inhabituel. Flabber, c'est toi l'expert. Tu trouves pas que ma plante est bizarre? Je pense qu'elle veut rentrer chez elle. Vraiment? Salut, petite plante. Adieu. Je déteste les adieux. Ouais, moi aussi, mais elle avait le mal du pays. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Du coup, aucun de nous n'a de projet pour la science en fait. Non. Comme vous pouvez le voir avec une simple lampe incandescente, vous savez maintenant pourquoi les voitures à énergie solaire sont les véhicules de l'an 2000. Merci. Excellente présentation, Randolph. Tu peux regagner ton siège. Oh, c'était génial. Il va sûrement gagner. C'est quoi ce bruit? Et voici nos derniers concurrents. Van et Trip. C'est bon, c'est bon. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Mon frère et moi, on voudrait vous présenter notre projet. De Luxor, un robot capable de résoudre tous vos problèmes de maths et de sciences. Autrement dit, il peut faire vos devoirs. Posez-lui une question. Très bien. Quelle est la racine carrée du chiffre 9? La réponse est 3. Ouais. J'ai déjà entendu cette voix. L'un d'entre vous veut-il poser une question? Qu'est-ce qui se passe quand une plante absorbe du dioxyde de carbone plus de l'eau et ensuite rejette de l'oxygène? S'il vous plaît, donnez-moi une minute pour enregistrer la question. S'il vous plaît, donnez-moi une minute pour passer à l'action. La réponse est la photosynthèse. Van et Trip, vous êtes disqualifiés. Le gagnant de la science en fait est Randolph Billings. Bravo! On n'a peut-être pas gagné, mais on peut être fiers de nous.